Après, c'est sûr que je préfère jouer et débuter, mais voilà, je prends mon mal en patience. L'année dernière, c'était le même cas aussi. J'ai eu une période où je ne jouais pas et que j'avais des bouts de match où je devais me montrer. Bon, j'ai réussi à le faire contre Ajaccio, apporter ce plus offensif qui nous a fait avoir cette victoire à domicile. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, je continue à travailler l'entraînement, je me sens très bien physiquement. Donc j'attends le moment précis pour débuter une rencontre et montrer que je peux gagner ma place de titulaire dans ce 11. Oui, après l'année dernière, il y avait quand même aussi de la concurrence. C'est vrai que j'ai joué souvent avec Kevin à deux devant, où ça marchait très très bien. Ensuite, il y a des moments où Kevin a joué tout seul, ça marchait très bien, où j'ai joué tout seul, ça a marché aussi. Donc non, c'est pas forcément l'aspect tactique qui est remis en cause, c'est simplement les performances. Comme je vous dis, j'attends mon tour et je répondrai présent le jour où on fera appel à moi. Ouais, c'est une équipe qui est bien en place, ils ont beaucoup de densité dans le cœur du jeu. Ensuite, on a vu qu'on avait des espaces sur les côtés, notamment je pense à l'action où Farid est amené à déborder sur le côté. Donc c'est sur des aspects comme ça que je pense qu'on va pouvoir faire la différence. Après c'est une belle équipe voilà, qui est soudée, qui joue bien en bloc. À nous de peut-être trouver ces espaces qui nous a manqué peut-être à domicile. Chez eux peut-être qu'ils vont vouloir un peu plus faire de jeu et on aura plus d'espace dans leur dos pour les prendre en contre-attaque. Après c'est dur de juger sur ces premiers matchs. L'année dernière on a eu un petit moment de rodage aussi en début de saison où on a fini deuxième meilleure attaque du championnat. Cette année c'est un peu pareil, il y a des automatismes à trouver, des repères à prendre avec les nouveaux joueurs, mais c'est vrai qu'on a de la qualité offensive cette saison et je pense que dès que la mayonnaise aura pris, on va pouvoir le démontrer. Oui, c'est sûr, bah, j'espère surtout pour les équipes que s'ils ont recruté, c'est qu'ils en avaient besoin. Et c'est quand même plus pour eux. Donc, toutes les équipes l'ont un peu fait dans ce championnat de Ligue 2. Dans les postes où il y avait une petite défaillance ou peut-être des blessures, comme nous, c'était le cas. Non, tout le monde, c'est un petit championnat qui rattaque, quoi, je veux dire. Il y a eu le départ qui a été lancé sur ces 5 premières journées. Maintenant, à nous voilà, d'être solides, de continuer sur cette lancée parce que voilà, on a une solidité avec 5 matchs sans prendre de but. C'est très bien, il faut s'appuyer sur ça. Et je pense que tous les joueurs qui sont venus nous apporter cette expérience du haut niveau vont nous faire que du bien. Il faut marquer. C'est le plus dur. On l'a vu la saison dernière, on le voit cette saison. Si on veut prendre des points, c'est de marquer des buts. Après, j'espère que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'extérieur, on aura peut-être plus de situations encore parce qu'on est une équipe qui va vite vers l'avant, qui se projette vite et avec un très bon jeu de transition qu'on travaille depuis la saison dernière. C'est ce qui a fait notre force, donc je pense qu'on marquera des buts à Laval.